Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est ça? Oui. J'ai gagné de l'XP. Ah, intéressant. Mais j'ai gagné de l'XP et c'est beau. Ah, on entend quelque chose. Regan! Qu'est-ce que c'est, le dans la machine portail. Je n'ai jamais senti quelque chose de ce genre avant. Je ne l'ai pas découvert. Et maintenant, il est activé. Bien joué. Le portail se referme. Et les ruines s'effondrent. Je ne peux maintenir le portail ouvert que quelques secondes. Vite, il faut passer. Mais ne viens-tu pas? Non, Senpai! Sacrifié pour nous, pour Xanos! Oui, mon garçon. Pense ce que tu veux, Xanos. Mais j'ai toujours cru en toi. Je sais qu'au fond de ton cœur, tu es un homme. Non! Ne meurs pas! Vous surestimez le bien qu'il y a en moi, maître Morgan. Non! Et toi, tu me sous-estimes. J'espère que cela changera un jour. Adieu, mon garçon. Non! C'est à toi de jouer maintenant. Tu dois arrêter Eurodice si tu en es capable. Si tu ne peux pas, alors je t'en conjure, brise le Mythalar. L'explosion qui résultera mettra un terme à la menace qu'elle représente. Oui! Je le sais. Allez, vite! Je ne tiens plus. Je l'arrêterai. Oui, je le sais. Ouais, c'est bon. Je suis bien. Rogan est mort. Voilà. Ruine des Terriz. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a? Bah non. Quoi? Oui, c'était un père. Il a donné sa vie. Ah, il faut le venger. Nous devons venger cet homme qui nous a sauvé la vie. Oh, petite map. Statue. Statue. Cette statue fera toucher. Cette statue est donc un piège. C'est intéressant tout ce qui est tout ça. Bonjour, je te vois. Je vous vois tous. La mort sur vous et vos et votre famille, votre lignée, vos descendants, bref tout le monde. C'est bon, on a compris. Oh. Bonjour. Oh oui. Oh oui. Vas-y. Oh. Oh, je le fais. Je le fais. Je le fais. Je m'en fous. Ah, c'était une mandragore. Quand je dis que je le fais. Hein. Oh, tu es mort. Ouais, donc en fait, c'est vraiment pour le lol tout ça. C'est vraiment... Non, ta gueule, laisse tomber. Toi!
je vais tellement te faire du mal. J'attendais Drogan, le mage nain. Mais vous ferez l'affaire. Dites-moi, avez-vous un nom? Oui. Ah bon? Un demi-orc. Ah mon dieu, quel sens de la répartie! Et revenons à la mouton, voulez-vous? Je m'attendais à ce que Drogan tombe seul dans mon piège, mais il semble qu'il ait laissé le portail ouvert pour vous. Aurait-il passé l'arme à gauche? Quelle tristesse! Peu importe, vous m'avez très opportunément apporté ce que j'attendais. Quelle douce ironie! Pas vous en particulier, plutôt ce que vous avez apporté. À... Attendez, j'enlève ma capuche, ça va vous éclairer votre lanterne. Et le mandragore. Comme vous le savez déjà, je suis Euronis. Méduse, pardon, Méduse. Méduse et ensorceleuse suprême. Bienvenue dans mon nouveau royaume, la cité volante d'Undertrade. Ouais. Bien sûr, Undrentine ne vole plus. Elle s'est écrasée au sol. Tant que les autres cités n'épérissent, bien qu'Undrentid ait moins souffert que la plupart. Quoi qu'il en soit, Undrentid est enseveli sous les sables, sans vie. Il faudra la puissance de l'antique Néthéril pour qu'elle s'élève. Une puissance que vous m'avez amené sous la forme du Mythalar. Oh, je sentais qu'il était proche. J'espérais que mon petit spectacle dans les ruines du portail me l'amènerait. Et vous voilà. Maintenant, Undrentid va s'élever à nouveau. Et toute la puissance de l'antique Néthéril qu'elle contient est à moi. Férune connaîtra mon nom et tremblera. Quant à vous, mon sujet pétrifié, vous avez l'honneur d'être le premier monument à mon triomphe. Vous pourrez tout voir. C'est fini, ça y est, donc Le Mythalar est à elle. Enfin. Ce qui suit est le plus ancien des rituels Néthéris, perdu au cours des âges et exhumé par Eurodis, qui l'utilise à présent pour accéder pleinement à la puissance du Mythalar. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'Undrentid n'obéisse à son appel. Vous le savez. Le Mythalar oblige la cité à s'extraire lentement des sables de l'Anneau Roc, la contraignant à rejoindre les cieux, qui étaient sa place il y a si longtemps. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, la jolie statue. Prenons-la. Allez, Maître Ashtara sera content de nous. Oh, je n'aime pas ça. Bon, je la prends. Donnez-moi un coup de main avec ça. Tu es certain qu'Ashtara veut ce genre de truc? Tu as déjà vu des choses que le maître ne désire pas? Allez, allons-en. Passons la statue. Thank you.
ainsi c'est vous que je dois remercier pour l'écroulement de notre sortie. Non, le sol, il n'était pas censé trembler. Nous vous avons ramené une statue, maître. Je le vois bien. Pourquoi croyez-vous que je ne vous ai pas encore tué? Vous ne le feriez pas? Ne me tentez pas. Je veux que ce passage soit dégagé immédiatement. Oui, maître Ashtara. Alors, chère œuvre d'art, nous voici seuls. Contrairement aux apparences, vous n'êtes pas une simple statue, n'est-ce pas? Oh oui, un aspect si vivant, si différent des sculptures stylisées de l'antique Néthéril. Permettez-moi de vous placer ce collier autour du cou. Le sentez-vous? Vous le pourrez bientôt. C'est un collier d'esclave. Un marchand doit faire des affaires comme il peut, voyez-vous. Nous avons pour coutume de transporter les esclaves ainsi, à travers le désert, comme des pierres. Pas besoin de nourriture, ni de gaspiller notre précieuse eau dans votre gorge desséchée. Dans moins d'une heure, vous pourrez sentir votre chair à nouveau. Lorsque ce sera fait, esclave, venez me parler dans la salle voisine, car j'ai besoin de vous. Waouh, il se passe des choses. Il se passe plein de choses. Et donc, j'ai un collier autour du cou. J'ai toujours mon équipement. Mais j'ai un... J'ai une mulette à Dashira. Et ben voilà. Ah non, c'est pas ça. Faut que je remette mon amulette de maître. Voilà. Et ben voilà, c'est donc la fin de l'interlude. Avec quand même... avec quand même pas mal de... Pas mal de révélations sur cette personne, sur ce personnage un petit peu étrange et mystérieux. Je suis déçu que Maître Drogon meure en nous sauvant la vie. C'est quand même beau pour un homme. Mais ça me donne envie. Ça donne toujours envie là. Et donc nous sommes pris pour une statue des temps néthériens. Et nous sommes esclaves. Allons voir notre journal de Kite. C'était perdu d'Undratide. Pour le moment, la vie est toujours secouée par les tremblements violents. Il faut vous hâter pour arrêter cette folie. Oui, mais Xanos a disparu. Donc, c'est dommage. Bien, et ben je pense que l'on va s'arrêter là pour cette fin d'interlude qui aura été assez assez longue. J'espère quand même que tout cela vous aura plu, la session et le jeu en vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, si vous voulez pas rater la suite de cette extension, car c'est la fin. Et de me suivre sur Twitter où j'annoncerai des fois des choses. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite et la fin. Pour la suite tout court, de Neverwinter Nights, Shadows of Hundred Tide.